Ok. C'est bon, je crois qu'on a tout pris. Pas vu ce truc. C'est horrible tout ça là. J'ai réussi là. J'ai réussi. Je suis en hockey un peu jaune. Ok. Je sais pas si je peux. Oh. Quoi, même quand je dodge? Mais c'est quoi ce truc? Je sais pas si c'est là-haut. Okay. On va pas traîner avec lui. Ok, ça marche. Je sais que je peux l'attaquer tout de suite, je sais pas. Je sais qu'on peut le down avec des coups de couteau assez facilement, après l'avoir dodge par exemple. J'ai pas envie de me jouer. Le jeu. Est-ce que ça va? Carlos, j'ai encore cette saloperie à mes trousses. Attends, tu déconnes? Je croyais que tu l'avais tué. Oh. Putain, il n'a pas réussi à me toucher. Ça fait pas plus de dégâts que ça, une roquette. Soigner au cas où. Je suis en attention. Ok. Ok, on est là. Jill, tu m'entends? Je crois que je sais comment ralentir cet enfoiré. Allez, reviens vers la station. On l'a tiré vers vous? T'inquiète, fais-moi confiance. Ok. C'est un petit peu changé, il m'oblige à passer par là. Ah.
Ah. Oh bordel. Ah merde, non, c'est du côté. Ah non. Quoi? Il était derrière encore. Oh merde. Et une seconde, il était derrière encore. Go, go, Carlos! Putain, il court beaucoup plus vite que moi. Oh, c'est compliqué, moi. Hey, voilà! Heureusement qu'elle était pas active pour moi. Cours! Cours! Allez, c'est ce corps qui vient de taper le store là. Ok. Allez, avance. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre juste... Bon, ok. Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais... Merci de m'avoir sauvé. Hey, tu m'as sauvé en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde maintenant. Ouais, tu seras hors de danger. J'espère. Et toi ? D'après ce que j'ai compris, je suis pas du voyage. Et pourquoi ? On a de nouveaux ordres. Ah enfin, non. Si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. Travail, mais à la hauteur de ta réputation. Allez, monte, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Bard. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein? T'en fais pas, une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. Jusqu'à ce que Nemesis casse le tunnel. T'inquiète pas, mourir, on se débarrasse pas de Carlos et comme ça. Ça va se passer comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Adios, Carlos. Je crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie. Rassure-moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi ? Tu es inquiet pour tes coéquipiers ? Ou pour autre chose ? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peloton par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non? C'était quoi ça? C'était sûr en fait. Oh putain. Comment cet enfoiré peut encore être vivant? Vite, non, c'est trop tard. Vite, par ici. Oula. Nikolai, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui le cherche. Nikolai, non! Casse-toi de mon train, sale pourriture! Eh ben, courageux. Il est courageux. «
Alors je sais qu'on peut jouer Carlos, donc là on va être déjà loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle, elle est pas comme les autres. Ouais. Bon, redescends sur Terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Juste pour regarder, 200... Brad, arrête! Tyrell! Non, non, mec! Pas toi, putain! Pardon! Pardon! C'est comme ça qu'il s'est fait avoir en fait! Non, mais s'il te plaît, quoi! Merde, c'est fermé! Charge-toi de la porte! Je m'occupe de cet enfoiré! Amène-toi! Comment je le rate, hein? Ça peut m'être utile. Il n'y a plus rien par là, je crois pas. Et il lui ferme. Il est passé où, ce flic? Je sais pas, et je m'en fous. On a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Stars. Okay. On va juste le trouver et le capturer. Différent. Capturer? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Stars. Oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok, c'est bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Là, j'ai juste l'impression de rejouer Resident Evil 2. Ok. Je me demande à quel point ça va être différent. Ok. Il faut toujours les clés spéciales pour. C'est quoi cette porte à la con? T'occupes, on est là pour Bard. Toutes les statues sont cachées. Signe de vie. Je vais juste faire le tour. Normalement, c'est tout fermé, mais. Je revisite un petit peu l'endroit. Je sais qu'après il faudra partir par là-bas. Ok, là c'est barricadé, c'est pas loin d'aller plus loin. Repose-toi bien, toi, mec. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Badge. Oh. Les munitions pour le fusil d'assaut. Ouais, un badge, il a accès aux mallettes de sécurité. Très cool. Qu'est-ce qui nous attend derrière, là? C'est des liqueurs. C'était quoi ce truc? Sensible au bruit. Mais ça aveugle. Peut pas être un zombie. Ah, donc ça c'est exactement ce qu'on a vu dans. Dans Resident Evil 2. Avec les griffes là. On dirait qu'il est parti. Ah bah j'espère. Oh merde. Est-ce qu'on peut dodge aussi avec lui? Ah non. On peut enfoncer.
passer. Wow. Oh. Nice. Ok, c'est ouvert. Tyrell, je me reçois. Apparemment, il y a un truc craignos ici. Je sais pas ce que c'est. Un truc craignos? Ok. Je vais jeter un œil avec les caméras. Fais gaffe. Munitions. Ah, ça va être fermé. Ah, il y en a beaucoup trop. Ah, je suis enfermé là. Mal. Oh non, 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 mais pas sur mon côté, tu t'en sors d'où? Il sort d'où? Oh mais allez! Je suis bloqué en plus là. J'ai crevé juste parce que je suis ça quand même. Ah, on avance. Ok. Du coup, il y a... Attends, Carlos. Normalement, là, ils me suivent pas, je crois. Stars est à cet étage. Compris. Ça veut dire que je peux peut-être redescendre. Je sais pas si c'est ouvert, c'est droit comme ça, ok. Bureau du Stars 2F, donc ça c'est là où on va. Ah non, c'est le bureau 1F, ouais. C'est ok, ok, ok. C'est de côté qu'on entend. Hein. C'est pas... Ok, au moins on est safe ici. Mission. Nous on peut pas prendre beaucoup de choses différentes. C'est parti. On a pas si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo. Non. Ok. J'avais rien, ouais. Je vais sauvegarder et on est reparti. On a plus de traces de tir. Des bruits provenant du casier, nous le voyons surtout pas. J'ai confectionné une bombe, on n'a pas de pile. J'en ai laissé une dans la salle des casiers. Donc, ouais, c'est parce qu'il y, y en a un là-dedans, là, mais je crois qu'on peut pas l'ouvrir. Ok. Une flash. Okay. Ouais, je préfère pas. Ouais, normalement c'est dans RE2, du coup on l'ouvre. Mais... Et il est juste mort en fait, il est pas. Ok, j'imagine qu'il va falloir qu'on fasse sauter ça. Ouais. Donc là, il faut redescendre devant tous les zombies. La salle des casiers est là en bas. Là j'ai un peu un meilleur endroit pour leur tirer dessus. Trop lent pour leur tirer dessus. Là. Si je tire par coup comme ça c'est un peu mieux.
Ok. Hein ? Il est pas mort. Qu'est-ce que c'est là ? Oula. Ah mais allez, mais comment il fait ? Comment il fait ? Chiant à ne pas être mort quand tu tombes. Ok, bon. Bon, on est bien. On a le code pour le... Hein ? Je vais l'utiliser par examiner. Lunette pour le fusil d'assaut. Cool. Et ça fait quoi ? Ça fait haut, radicule. Pause. Explosif, pile, salle des casiers, c'est ce qu'on avait compris. Action pour pistolet. Okay. Voilà, ça doit être fermé. Il n'y a pas le mini-jeu avec Léon. Welcome Léon. C'est pas bon. Ok, là c'est bon. Ils sont résistants. Hein. Donc lui, Lulu, on a note interne 9, 15, 7. 9, 15, 7. Une sacoche, c'est exactement comme R2, on l'a trouvé aussi là. J'espère que c'est applicable aussi à la sacoche de Jill. Parce que là on avait la même taille. Donc... Je sais pas si c'est lié. Ok. Allez. Merde, c'est fermé. Quoi ? Comment ça, je dois faire quoi moi ? Je vais aller au troisième étage, comme ça, sûrement. Là. Ok, c'est bon. Je te touche pas là. Bon, je parie qu'il est mort, du coup, je sais pas. Qu'il est à la clé bleue. Ah là, ils ont bloqué. Je pense qu'il est pas mort. Ah, je sais plus du tout le code là. Du coup, je vais pas le faire. Ok, ça a été vraiment mort.
Est-ce que la clé, ça me permet de rentrer dans le casier ou pas? Dans la salle de casier. Oh putain, la pression. Quelle chance. Safe quand je suis plus dans l'eau, c'est pas. Ok. J'arrivais pas à prendre les armes que je voulais. Ouais. Est-ce que c'est cette clé? Ouais. Et de la table. Oh, j'ai entendu un pas. Ah, c'est celui d'en haut, DCM. Ok. Va. Ok. Ah non, pas ok. Non, mais casse-toi. C'est quoi ces zombies? Oh là là. Ouais, je suis pas bien par contre. J'ai eu peur. Y'a rien dans tous ces casiers. Ah yes. Ça n'y a pas besoin de la faire. Et une grenade. Le 109. Munition 106 et 104. 109, 106, 104. Ok, je prends. Ça peut servir. Effectivement. Reste prudent. Celui de tout en haut. Hein. Ouais. Ah, nous, on est déjà parti. C'était juste un screamer. Normalement, ouais, c'est lui qui est plus là. Ouais. Donc là, c'est DCM. Des munitions. J'ai entendu des bruits chelous. Ah, il monte, yes. Ça devrait être ok.